tu vois, ils vont faire redorer le dôme des Invalides. Hélène, dépêche-toi! On va s'y donner un coup de frais dans les bronchines. Ah bon, vous allez vous faire couper les cheveux chez la mère Ganas? Non, mais la mère Ganas, elle a fermé. Avec ses ciseaux à la main, à 95 ans, elle devenait dangereuse. C'est un petit jeune homme à la place. Jack Spray. Le top du top, à ce qu'il paraît. Il connaît toutes les coupes des stars. Moi, je vais faire sauter mon gris souris contre nos burnes. Nicole Kidman. Moi, je vais demander un bras Monica Bellucci. Je voulais un truc un peu italien. Ce soir, je dîne avec Georges de la pizzeria. Filez, filez. Vous n'allez pas nous reconnaître. Ça, c'est sûr. Alors, c'est coupe, mademoiselle. C'est un taré. J'ai demandé Nicole Kidman. Il m'a fait Mireille Mathieu. En répondant à cette petite annonce, je ne savais pas que ma vie allait changer à ce point. Ça paraît étonnant, mais c'est notre colocation. Je ne veux pas sortir comme ça. Les filles du quartier vont se moquer de moi. Mais personne n'est au courant, Luce. Elle est où Mireille Mathieu? La porte d'entrée était ouverte, je suis venue dès que j'ai su. C'est Madame Cadier qui l'a dit à Madame Jean-Charles. Il savait déjà de Madame Verdon. Elle veut pas sortir? Non, elle s'est coupée du monde. Moi, j'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Laissez-moi partir en paix. Et surtout, tendez-moi. Ah non, bon, ça suffit. Allez, poussez-vous, je vais enfoncer la porte. Luce, ouvrez-moi! Mais vous n'êtes pas la seule, j'ai vu ça chez Sophie d'avant, on les appelle des pervers capillaires. C'est des fétichistes qui saccagent les coupes de cheveux des femmes dans les salons. Et vous, il vous a fait ça quand? Mais ça n'a rien à voir, hein. J'avais pris rendez-vous, j'ai annulé. Papa. Luce, je vous ai ramené des chocopassions. Quel parfum? Noisette. Bon, elle est en forme. Oui. Massacré. On ne peut pas laisser ce type en liberté. Moi, je voulais Charleston et il m'a fait Régine. Et moi, je voulais Catherine Deneuve et il m'a fait Catherine Lara. Moi, je voulais Lady Di, il m'a fait Clo-Clo. Oh, ça, c'est bas. Nous sommes en présence d'un pervers capillaire tendance fétichiste qui, visiblement, aime la chanson française. Nous allons éradiquer ce pervers capillaire qui vous a retiré votre féminité. Moi, j'ai une idée. On va confectionner un cocktail Molotov et le balancer dans la vitrine de son magasin à ce chacal. Merci, Luce. Nous allons le faire couler de l'intérieur, ce chameau. Je vais fonder le Cathy's Hair Saloon. Tu sais couper les cheveux, toi, Cathy? Bah, évidemment. Avant de régner dans la mode, le design et le showbiz, j'ai fait un CAP coiffure à Dijon. Ah, j'étais très douée. Je vais vous requinquer le cheveu, naufragé du ciseau. Bravo. Excusez-moi, je suis en retard. Comme d'habitude. Tiens, là, il y a une piaf. Ah. Voilà, Madame Carpeau. Dans quelques instants, vous allez découvrir votre nouveau visage. Je vous ai fait le balayage californien Pink Shade, hein, avec la petite frange Kate Moss. Kate qui? Kate Moss, le top modèle anglais, Kate Moss. Ah, la mode, j'y connais rien, je m'habille chez Emmaüs. Une petite détente, Madame Bourrier? Vous avez quoi? Alors, nous avons toute une gamme de produits âge d'or, d'été de toutes sortes, jasmin, vert, Earl Grey, ligne svelte, tisane, plante diurétique et drainante. Alors, une tisane ligne svelte avec 3 sucres, s'il vous plaît. Vous voulez pas, j'ai mis les doigts. Un peu de musique, alors j'ai Frédéric François Olympia 85, mes plus grands succès par Franck Michael ou l'intégrale de Mike Brandt. Oh, Frédéric François, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. C'est pas un balayage, ça, c'est un ouragan. Mais un ouragan qui vous donne 10 ans de moins. On vous donnerait la soixantaine, mais vous avez quel âge? 52. Katy Perry en mieux. Vous êtes sûre? Vous travaillez où? À l'EDF. À l'EDF, tout est bleu. Vous serez ton sur ton, ce sera parfait. On dit merci qui? Vous croyez? Mais écoutez, vous êtes arrivé en clo-clo, je vous rends en Justine Bieber. Estimez-vous heureuse. Voyez d'où on vient. Si vous voulez retourner aux années 70 avec l'autre malade, je vous fais une coupe Joe Dassin et vous l'aurez pas volée. Voilà. Pour vous, Marie-France, étant donné votre allure et votre maturité, ben j'ai opté pour une coupe Rihanna. Maintenant,
il va falloir s'occuper du look. Vous aimez vos gambettes? Il va falloir les montrer. Moi, spontanément, je vous mettrais pas sur une coupe Sophie Marceau, comme ça, de but en blanc. Ça a beau être un de nos basiques, vous avez le cheveu beaucoup trop fin. Hein? Un instant. Alors, à nous, on a dit une Katy Perry à 69, un supplément frange à 29 et un shampoing en karité qui nous font 116. Alors, et 4 qui nous font 120. De rien, la bonne journée. Voilà, bonne journée. Alors, à nous, on passe au bac, on se la tente, la Marceau. Regardez comment il va être content, votre papy. Je suis pas son papy. Hein? Je suis le remplaçant de Madame Ganasse, Jackie Spray. Vous m'avez vidé mon salon. Regardez bien autour de vous, parce que c'est la dernière fois. Et moi, je suis Nathalie Fouenard, ministère des Finances. Vous allez me lâcher le cheveu. Pardon. Et on va regarder les comptes. Il y a un patron ici? Cathy, il y a une grosse demande de renseignements à la caisse. J'espère que ça va le faire. Parce que c'est la communion des cassis ce week-end. Oui. Et tu ne connais pas la famille de Jeannot. Ils sont tellement collémentés. Non, mais ne t'inquiète pas, Hélène. Tu sais, pour une coiffeuse, l'important, c'est de connaître le brief de la cliente. Et là, j'ai très bien compris. Cathy, qu'est-ce que tu as fait? Je dois lire les sommes à l'hôtel devant toute la famille. Oh, écoute, de toute façon, c'est tellement chiant, une communion. Au moins là, on s'en souviendra.